Affaire Dubaï Port Tipotin, la bimbo ivoirienne Edor Sian profite de l'occasion et fait une triste confession sur le prince Dubaï. Edor Sian fait une triste confession et indexe très sévèrement Emma Lewis. Voici enfin l'origine de la richesse de la bimbo ivoirienne Edor Sian dévoilée en Côte d'Ivoire. Edor Sian monte au créneau pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go! Classée en tête de liste des influenceuses africaines qui seraient impliquées dans le réseau de prostitution de Dubaï Port Tipotin, la bimbo ivoirienne Edor Sian a finalement décidé de dévoiler comment elle gagne son argent. La bimbo ivoirienne Edor Sian l'a révélé lors de son passage sur la chaîne Live TV en ce vendredi. Depuis quelques jours déjà passés, la toile est scandalisée par une affaire de prostitution dénommée Dubaï Port Tipotin. Tout a commencé après la fuite d'une vidéo ignoble dans laquelle l'on pouvait voir une femme noire en train de se faire déféquer dans la bouche afin de gagner de l'argent. Dans la foulée, certaines célébrités françaises et africaines sont montées au créneau pour confirmer l'authenticité de cette vidéo tout en avant avoir fait partie de ce réseau de prostitution qui consiste à transformer sa bouche en toilette publique au milliardaire de Dubaï afin de gagner des sommes d'argent faramineuses vis-à-vis de Dubaï Port Tipotin. Depuis l'éclatement de cette grande affaire sur les réseaux sociaux, les internautes se sont attaqués aux influenceuses africaines qui se sont rendues très récemment ces derniers jours à Dubaï. Dans la foulée, la bimbo ivoirienne Edor Sian, qui s'est récemment filmée avec des liasses de billets de banque dans cet endroit luxueux de Dubaï pour son séjour à Dubaï, n'a pas été épargnée. Alors que ces différentes sorties médiatiques dans le but de se justifier peinent à convaincre les internautes, la bimbo ivoirienne Edor Sian a finalement décidé de parler de l'origine de ses sources de revenus. Invitée en ce vendredi sur Live TV, la go au rang de particulier a ouvertement révélé qu'elle doit sa fortune aux différents dons qu'elle reçoit, souvent des personnes de bon cœur sur les réseaux sociaux. Plus précisément, sa page officielle Facebook, Edor Sian justifie son séjour à Dubaï et monte au créneau. J'aime Dubaï parce que c'est beau, j'aime y être. Mon dernier voyage à Dubaï m'a été offert, mais je ne peux pas citer le nom de la personne. C'est quelqu'un qui m'apprécie énormément et comme il a su que c'était mon anniversaire, il a voulu me faire plaisir. Il n'est pas encore mon chéri, je ne comprends pas. On me fait des cadeaux à tort à travers, mais eux, c'est des tracteurs. Ils se disent, mais tant que Edor Sian est sur les réseaux sociaux, elle profite de l'occasion et se prononce dans le réseau de prostitution de Dubaï. Tant que tu n'as pas encore couché avec quelqu'un, on ne peut pas te donner autant d'argent. Je veux lui faire comprendre que c'est mon heure de gloire, c'est ma grâce. Si je veux sortir avec quelqu'un, un jour, je sortirai avec lui. Pas parce qu'il m'a donné beaucoup d'argent et beaucoup de cadeaux. Au-delà de mes prestations, tout l'argent que je gagne sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui me donnent. Il y a des hommes comme des femmes, a confié la bimbo ivoirienne Edor Sian, épouse de l'artiste guinéen Grampy. Cette sortie de la Gobo Baraba a très vite suscité une grande avalanche de réactions sur la toile. Plusieurs internautes estiment que ses propos ne font que confirmer les soupçons qui pèsent à son encontre depuis le début de cette affaire de Dubaï Port Tipotin sur les réseaux sociaux. Affaire Dubaï Port Tipotin, Rama, la slameuse, veut porter plainte contre le révérend général Camille Makosso. Un mandat d'arrêt a été lancé contre le révérend général Camille Makosso depuis Dubaï. Dans une publication postée sur sa page officielle Facebook en ce dimanche, Rama, la slameuse, a fait savoir qu'elle veut pointer du doigt le révérend général Camille Makosso dans une plainte pour diffamation contre les femmes burkinabées. Selon elle, le révérend général Camille Makosso a touché à l'intégrité des femmes burkinabées
C'est ainsi que Raman a réagi aux propos du général Camille Makosso qui a affirmé que les filles burkinabées sont impliquées dans l'affaire Dubaï-Port-Tipota. Alain Croix, le général Camille Makosso, le général de la Mahamaï, a touché à l'intégrité des femmes artistes burkinabées. Selon elle, il n'est point question de défendre les filles artistes burkinabées qui sont allées à Dubaï, ni les miss qui sont allées à Dubaï, sans oublier les filles burkinabées qui sont aussi allées à Dubaï. Blogueuse ou tiktokeuse, je ne connais pas, je ne connais même pas l'intérêt du pays ici, mais je viens rassurer l'opinion publique nationale et internationale que la femme burkinabé en général ne tombera pas dans un gros scandale sur les réseaux sociaux, un scandale qui blesse énormément Dieu. Je ne connais pas le révérend général Camille Makosso. Je connais très bien les valeurs que ça nous inculpe dans notre beau pays, a-t-elle révélé, puis de lancer un ultimatum au révérend général Camille Makosso. Quant à Camille Makosso, je lui lance un ultimatum de 72 ans pour qu'il publie sur les réseaux sociaux les preuves inculpant les filles burkinabées dans ce système de Dubaï-Port-Tipota. S'il ne publie pas les preuves concrètes, nous allons saisir les autorités compétentes du Burkina Faso, de Dubaï, pour porter plainte contre lui pour diffamation contre les femmes artistes du Burkina Faso, a-t-elle déclaré vis-à-vis de l'encontre du scandale de Dubaï-Port-Tipota. Pour rappel, le roi de la Mahamaï a révélé que 21 filles burkinabées ont été identifiées, dont 6 miss, 4 mannequins, 3 artistes, 7 tiktokeuses et bien d'autres personnalités. Des révélations qui ont suscité la réaction de l'artiste burkinabé Rama Laslamus.